Okay, so it looks like uh, many people are still trickling in, but we do have a lot to get through for this next session. So I'm gonna start with a couple of announcements. Uh, so it's okay that you and your friends are still making your way in. Have a seat, be comfortable, uh, but maybe ask your friends who are chatting to listen to me for the next two minutes. Um, so. Uh, here in uh, BC, we are very fortunate to live in a time and a place where both of our provincial and federal governments invest in LGBTQ health. Yesterday, we heard from our local MLA uh, Spencer Sandra Herbert, bringing greetings from Victoria, and so today we have uh, the special advisor to the Prime Minister's office bringing greetings from Ottawa. Um, so both Spencer and Randy. Uh, Boisinot, who is going to be speaking to us via video, are openly gay men who are using their positions to shape policy in Canada, and we at CBRC are, are very thankful for the work that they do. So here's just a small one minute greeting from Randy. Hello, everybody. Randy Special... Is, is the volume working? Maybe not. Hello everybody, Randy Blossino, a special advisor can hear to the, this Prime in the back? on LGBTQ2. Can people hear this? Is this not a- okay. Oh fuck. Do you have this video? Can we switch it to mine for a sec? No, can we switch it to mine? I have it on mine. Like can we play it from this? One? Can we play it from mine? That's not you? Oh okay sorry technical difficulties uh, give us a moment Maybe just to you. well we're going to take care of some technical little issue but in the meantime i want to make a small announcement as well uh, yesterday we mentioned that as we continue to grow into a more bilingual summit, we do realize that the summit is overwhelmingly in english. Uh, so we're looking at ways to increase franco partic uh, participation, including looking at oh, partnerships with our quebec alliance members. Um, and earlier this morning, they announced their french queer men's health summit that will be held this next march. so we're hoping to create two distinct summits that complement each other and support a bilingual movement in canada great thank you uh, yeah sorry about the technical difficulties here's a video from uh, randy bozino hello everybody randy bozino special advisor to the prime minister on lgbtq2 issues and member of parliament for edmonton centre welcoming you to summit 2018 started in 2005 by community-based research centre this is an opportunity for people to come together to talk about capacity building recent trends best practices in uh, focusing on gay men's health. I know you're focusing on mental health, substance abuse, and other issues during this conference, and I want to know that you to know that the Government of Canada is working with you and partners from coast to coast to coast to get this work done properly. I want to thank the work of the organization for also making sure that the Standing Committee on Health here at the House of Commons. Will be doing a study focused on LGBTQ2 health. So, more to come from the Standing Committee on Health, more to come from the Government of Canada as it pertains to the health of gay men and the health of all members of the LGBTQ2 community. Have a great 2018 summit. Cool. Uh, very sharp tie that guy has. Um, this next session, uh, as you all may know is going to be held in french so if you need english translations now is a good time to get your headsets they're just out the door and to the left uh, this next session besides being in french is also uh, dealing with some very heavy topics of depression and suicide and so i want to remind everyone that we do have him counselors here available uh, if you need someone to talk to at any point there's aaron and alvaro and we also have imtiaz here from salam and uh, elder bill white is also uh, still around as well uh, sitting at the back there Je vais passer la parole à Jose. Merci. Uh, le docteur Olivier Ferlat est un chercheur boursier postdoctoral au British Columbia Center on Substance Use et au département de médecine de l'Université de la Colombie-Britannique. Il cumule une quinzaine d'années en promotion de la santé et en recherche communautaire LGTBTQS. Il est l'un des membres fondateurs de Totally Alright et des Investigators, du programme visant à renforcer les capacités des jeunes hommes gays, bisexuels et queers. Originaire de la Colombie-Britannique, leur modèle a été adapté et répliqué à travers le Canada. La recherche du Dr Ferla porte sur les liens entre stigmatisation, marginalisation et incidence négative sur la santé des minorités sexuelles et des genres. Son expertise en syndémique chez les hommes gays et bisexuels n'est plus à démontrer, et les conclusions de ses efforts de recherche ont favorisé l'adoption des politiques de politique, ainsi que le développement des programmes visant à améliorer la santé sexuelle et mentale des hommes gays et bisexuels à travers le Canada. Leur Ferla dirige présentement le projet Still Here, un projet comportant en viol artistique, qui tisse des liens avec des membres de la communauté LGTBQ2S, touchés par les suicides, et qui les invite à parler de leur expérience à travers de la photographie et de l'art visuel. En collaboration avec les participants, les photos et les œuvres inspirées par Still Here ont été présentées dans des expositions et des forums communautaires afin de créer des lieux propices pour partager et inviter les membres du public à raconter leur propre histoire et de parler de prévention. Il a également mené le questionnaire Still Here, un sondage en ligne portant sur la dépression et les suicides, qui a rejoint 2 800 participants à travers le Canada. La recherche actuelle du euh, Dr Farley est apogée par une bourse de la Fondation Michael Smith pour la recherche en santé. Et au-delà de la recherche académique, il est vice-président de l'Association canadienne pour la prévention du suicide et enseigne les yoga. Bienvenue, Olivier Perla. Bonjour tout le monde. Bon matin. Merci beaucoup aux organisateurs du sommet de m'avoir invité aujourd'hui à partager ma recherche. Euh, avant de commencer, je tiens à souligner que nous sommes rassemblés aujourd'hui sur les territoires non cédés et ancestrales des peuples autochtones, Musquam, Squamish et Slaywetu, et que les peuples autochtones sont aussi affectés de façon disproportionnelle par le suicide et la dépression à cause du processus de colonisation. Merci beaucoup à mon amie Jody de m'avoir invitée. Et à parler en français, ça fait 16 ans que j'habite en Colombie-Britannique et je pense que c'est la première fois que je donne une présentation en français. Et, <laughs> et malgré que c'est ma langue maternelle, ça me donne un niveau de stress un peu plus élevé donc, euh, euh, parce que je n'ai pas l'habitude de parler de mon travail en français. Alors. On y va. Alors merci beaucoup Darren pour avoir souligné qu'il y a beaucoup, qu'il y a du support en place aujourd'hui, et merci au sommet de, de faire d'avoir de, ce support là euh, disponible, parce que même si c'est un sujet qui est dur à discuter, le suicide et la dépression, c'est aussi très important d'en de, parler pour éliminer la stigmatisation et aussi pour identifier des pistes de solutions. Par contre, c'est aussi, il faut reconnaître que c'est, ça peut être difficile, parce qu'on a tous un des expériences différentes à ce qui a trait à la santé mentale et une relation différente face au suicide. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui est en état de crise euh, en Colombie-Britannique, vous pouvez composer le 1-800 Suicide et euh, sur le site de l'Association canadienne euh, pour la prévention du suicide, euh, suicide, il y a une liste euh, de tous les, les centres de crise au Canada. Alors la dépression en chiffres, des données qui, vont sûrement, euh, qui sont sûrement connues par plusieurs d'entre vous ou qui vous surprendront euh, peut-être peu, euh, les personnes issues des minorités sexuelles et de genre euh, sont à haut risque de dépression. En fait, le taux de, de dépression dans les 12 derniers mois est deux fois plus élevé chez les minorités sexuelles et quatre fois plus élevé chez les personnes transgenres selon la recherche. Un état similaire quand on regarde euh, les données sur le suicide, les minorités sexuelles euh, sont à plus haut risque. Environ 12, 10 de la, de la population générale vont avoir des pensées suicidaires à un point dans leur vie. Le taux, euh, c'est trois fois plus élevé chez les minorités sexuelles et huit fois plus élevé chez les transgenres. Donc, environ 75% des transgenres vont penser au suicide au moins une fois dans leur vie et plus de 40% vont euh, faire une tentative de suicide. En plus, c'est important de souligner qu'il y a des grandes inégalités dans la communauté des minorités sexuelles de genre à ce qui a trait au suicide et à la dépression. Et on sait que c'est souvent les personnes à faible revenu ou qui ont moins d'éducation qui sont à plus haut risque euh, du suicide et de la dépression. Et je peux vous pointer sur des études si vous avez besoin. Et aussi, on sait que c'est les euh, personnes, les minorités sexuelles de genre euh, qui sont d'origine autochtone aussi qui sont à plus haut risque. La principale théorie euh, dans la littérature scientifique qui explique ces inégalités scientifiques est la théorie du stress minoritaire qui a été développée par Ellen Mayer un scientifique, un scientifique euh, américain qui est déjà venu au sommet, en fait, pour nous parler de sa théorie et de la santé mentale. Je suis certain que plusieurs d'entre vous sont familiers avec cette théorie. Centrale à la théorie, c'est le fait que ces inégalités-là sont le résultat de, du fait que les, les minorités sexuelles et de genre font face au même stress que tous les autres individus, mais en plus sont susceptibles à d'autres formes de stress reliées à leur identité sexuelle ou de genre. Qui peut prendre la forme de discrimination, de violence, mais ça peut être aussi la constante peur de rejet, de rejet ou bien de devoir toujours dissimuler son orientation sexuelle ou de genre, ou bien l'homophobie ou la transphobie intériorisée. La, quand on regarde la recherche sur le suicide et la dépression, c'est surtout sur ça que la, recherche, euh, euh, que la recherche examine, donc la cause euh, du suicide. Comme l'a mentionné Ryan hier, quand on parle de santé mentale, on est toujours en train de parler de la cause. Donc, maintenant que j'en ai parlé, ce que j'aimerais parler, c'est des pistes de solutions à ce que je vois comme étant le prochain grand défi de notre communauté. J'ai mis une photo de Lady Gaga pour, pour faire plaisir aux jeunes dans la salle. Et en effet, je veux répondre à une question que Lady Gaga et Tedros Adhanom, qui est le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, posaient le mois dernier dans Le Gardien. Dans un article publié, ils disaient « 800 000 personnes se suicident par, de, par année. Que pouvons-nous faire? What can we do about suicide? » Ils décrivent le suicide dans leur article comme étant le symptôme le plus extrême d'une urgence d'agir en santé mentale. Ils critiquent vivement le peu d'investissement, dans la recherche, la prévention et les traitements en santé mentale. En effet, quand il est question de santé mentale, disent-ils, tous les pays sont en voie de développement. Au Canada, on est le seul pays du G8 à ne pas avoir de stratégie nationale en santé mentale et ne pas avoir un plan national en prévention du suicide. En plus, au Canada, 50 des coûts de soins de santé dans le, euh, pour les soins en santé mentale doivent être déboursés de la poche des de ceux qui consomment le, les soins. Donc, seulement 50 des soins en, soins en santé mentale sont couverts par le régime public, ce qui signifie qu'il y a des grandes euh, inégalités entre qui peut se permettre des soins et qui ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça va prendre pour renverser l'épidémie du suicide qui frappe notre communauté? C'est les questions auxquelles je veux m'attarder aujourd'hui. Et pour répondre à ces questions, je vais utiliser des données de deux projets de recherche que j'ai dirigés au cours des deux dernières années. Premièrement, une, une étude photovoie, Still Here, dans laquelle 76 minorités sexuelles et de genre ont participé. Tous les participants sont des membres de la communauté qui ont été affectés par le suicide, soit qui ont eu des épisodes suicidaires ou qui ont perdu un membre de notre communauté par le suicide. Dans, dans cette euh, euh, étude, on utilise une méthodologie qui s'appelle Photo Voice, Photo Voix. Alors, on donne une caméra aux participants pour qu'ils euh, prennent des photos qui décrivent leur perspective puis leur expérience face au suicide et à la prévention du suicide. Voici quelques exemples de notre étude. Après quand les personnes ont terminé de prendre leurs photos, on les invite dans une entrevue où chaque participant décrit une à une leur photo et décrit la signification derrière leur photo. En plus de notre étude photo-voix, je vais utiliser des données d'un sondage qu'on a lancé l'année passée. Un, un sondage euh, qui était fait en ligne, qui était disponible en français et en anglais et euh, auxquels 2 800 euh, membres euh, des minorités sexuelles et de genre ont répondu à travers le Canada dans toutes les provinces. Alors, qu'est-ce que ça va prendre pour réduire le suicide chez notre communauté? Les participants de notre étude Photovoi étaient unanimes sur une chose. Il faut vraiment s'adresser à la cause première du suicide chez les minorités sexuelles et de genre. Soit la stigmatisation, l'homophobie, la biphobie et la transphobie. En effet, plusieurs se basaient sur leur propre expérience personnelle afin d'émettre cette suggestion. Plusieurs ont décrit qu'ils avaient intériorisé les sentiments négatifs à l'égard de la population queer, comme la jeune femme qui a pris cette photo. Elle décrit comme quoi le placard était insupportable pour elle, causant une détresse importante et des idées suicidaires. En revanche, l'idée de sortir du placard aussi euh, lui semblait pire à cause de la violence, qu elle, qu elle, la violence potentielle. Euh, par, euh, pardon, on n'a pas traduit les, 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 euh, les mots des participants parce qu'on avait peur de perdre l'essence du message. La violence et la discrimination homophobe, biphobe et transphobe transphobes était souvent décrite par les participants comme une raison qui les avait poussés au suicide. Il y avait un consensus chez les participants que la discrimination continue euh, à agir contre les minorités sexuelles de genre et aussi les expériences euh, antérieures continuent à nous hanter. Plusieurs euh, partageaient que c'est sûr qu'on a fait beaucoup de progrès, surtout sur le plan juridique. Par contre, il y avait beaucoup de chemin à faire encore sur le milieu social. Afin de changer les mentalités. Particulièrement, les gens parlaient que dans les milieux que tu sais, à Vancouver, Toronto, c'est sûr que les mentalités ont changé, mais qu'il y avait encore plus de, de chemin à faire dans les milieux ruraux. La photo ici a été prise par un des participants, et il l'a appelée « False Pride, fausse fierté. Il a appelé la photo comme ça parce que pour lui, euh, les minorités sexuelles et de genre n'étaient pas encore célébrées dans tous les milieux. Plusieurs participants ont décrit que le système scolaire était un lieu clé pour favoriser un changement d'attitude à l'égard des minorités sexuelles et de genre. En effet, en intervenant tôt dans les écoles, on peut changer les mentalités, mais en même temps créer un environnement sécuritaire pour les jeunes qui découvrent euh, leur identité. La bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà des interventions dans les écoles qui fonctionnent. En effet, une étude en Colombie-Britannique de Elizabeth Sewick a démontré que les GSA dans les écoles secondaires peuvent créer un environnement sécuritaire pour les minorités sexuelles de genre. Les GSA, euh, c'est les Gay Straight Alliance, qui ont maintenant, on, on, on appelle Gender and Sexuality Alliance, sont généralement des, des clubs où les étudiants issus des minorités sexuelles de genre peuvent socialiser. Et en même temps, euh, participent à des activités pour sensibiliser le reste de leur école à la réalité queer. Ce que l'étude a trouvé aussi, c'est qu'en plus de réduire la discrimination, euh, les réduit réduisent aussi le nombre de jeunes qui pensent au suicide. Mais aussi, pas seulement les jeunes issus des minorités sexuelles et de genre, mais tous les étudiants, incluant les straight et cisgenres. Et l'effet protecteur des GSC aussi s'accroît avec le temps. Alors, le plus longtemps la GSC a été établie dans une école, plus il y a un effet sur la prévention du suicide. Ce succès-là me fait penser qu'il faut aussi, euh, 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 pour inspirer d'autres milieux où notre communauté euh, euh, souffre de discrimination. Simon Lamb, un jeune chercheur membre du programme Investigators au CBRC, qu'on a entendu parler hier, a, eu, a fait une analyse du sondage Sexe au présent et, 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 a, et a trouvé dans son analyse que les hommes gays sexuels continuent à, à se faire disc discriminer et à, à avoir du harcèlement dans plusieurs autres milieux que, le, que le, les, les écoles, incluant le milieu de travail, le milieu de la santé. On sait aussi d'autres recherches que c'est aussi que les personnes transgenres aussi reçoivent beaucoup de discrimination dans le milieu de santé, dans le milieu de travail. Donc, il faut aussi changer ces milieux-là. Euh, par exemple, je pense qu que le milieu de travail pourrait, pourrait faire plus. Il y a des entreprises au Canada, particulièrement dans les euh, institutions financières, où euh, il, y a, il y a du bon travail qui commence à se faire pour inclure et, et, et célébrer les minorités sexuelles de genre. Euh, par exemple, les, les institutions financières ont souvent des groupes ressources pour les employés qui sont similaires au GSC dans les écoles. Pride at Work, qui est un organisme euh, canadien, euh, décrit sur son site web plusieurs actions que les entreprises peuvent prendre pour favoriser euh, un milieu euh, plus sécuritaire pour les minorités sexuelles et de genre, qui inclut avoir des politiques sur le harcèlement et l'intimidation qui sont explicites sur le fait que l'intimidation sur la sexualité et le genre est interdite. En parlant d'intimidation aussi, je pense qu'on a besoin de légiférer sur la matière. En ce moment, il y a seulement quatre provinces au Canada qui ont des lois reliées à l'intimidation et le harcèlement en milieu de travail. Le Québec et la Saskatchewan sont, deux, sont les seules provinces euh, qui sont forcées par le gouvernement, par la loi, de prévenir le harcèlement psychologique en milieu de travail, tandis que l'Ontario et la Colombie-Britannique, eux, la loi les oblige à avoir une politique sur, euh, sur le bullying, le, le harcèlement et de former leurs employés sur cette politique. Donc, il faudrait avoir des, des, des éléments comme ça dans plus de provinces. En plus de s'attaquer à la stigmatisation reliée à la sexualité au genre, il faut aussi s'attaquer à la stigmatisation face à la santé mentale. Les participants de notre étude ont identifié la stigmatisation envers la santé mentale comme un facteur qui isole les personnes qui pensent au suicide dans notre communauté et qui augmentent leur sentiment de désespoir. Une forme de stigmatisation que les participants de notre étude photovoix ont souvent décrit, c'est la banalisation de leurs troubles mentaux. Comme cette photo où la personne a pris une photo d'elle dans son bain et a décrit « Despite popular belief, a bad bomb does not cure mental illness ». Les préjugés et les attitudes discriminatoires envers la santé mentale ont souvent comme effet de freiner ceux qui souffrent de problèmes euh, de chercher de l'aide ou bien de continuer avec leur traitement. Comme c'est le cas dans cette photo prise par une jeune femme qui a raconté comment plusieurs personnes dans son entourage essayaient de la convaincre d'essayer d'arrêter de, 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 de prendre ses médicaments et arrêter son traitement en santé mentale. Même si pour elle, ces médicaments c'était la raison pour laquelle elle, elle était encore en vie. Encore ceux qui reçoivent des euh, des traitements en santé mentale apprennent souvent euh, des autres et de la société à avoir honte de ces traitements-là. Pour éliminer la stigmatisation en santé mentale, plusieurs participants. Euh, Ont suggéré que ça prenait des campagnes de sensibilisation à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté des minorités sexuelles et de genre. Centrale à éliminer la stigmatisation et la participation de ceux qui souffrent de, de maladies mentales, le partage de témoignages est souvent reconnu comme étant la meilleure stratégie pour changer les mentalités sur euh, les troubles mentaux. Avec notre étude PhotoVoir, on a organisé plusieurs expositions de nos, euh, des, des photos de nos participants afin de sensibiliser la communauté et d'avoir un dialogue sur la santé mentale et le suicide. On a aussi, eu, on a aussi euh, mis une galerie en ligne où les gens, peu importe où ils sont, ils peuvent voir et, en, et regarder les photos, ainsi qu'un compte Instagram. Vous pouvez nous trouver, Still Here Project. Et on a aussi produit un court métrage sur le vécu d'un des participants qui a été montré au queer film festival de Winnipeg et de Vancouver et qui a aussi gagné un, un prix aux États-Unis pour l'organisation Art by Impact et maintenant est distribué dans les écoles secondaires. On a aussi fait deux livres de, de photos qu'on a distribués euh, et j'en ai quelques copies donc vous pouvez m'approcher après. Et euh, en présentement aussi, euh, ici on a mis des photos de notre projet, qui, il y en a un, euh, quelques autres qui vont être euh, dans le lobby après pour vous à regarder. Et euh, ces photos-là sont de, de, de nos derniers participants qui étaient les hommes euh, queer euh, vivant avec le VIH, une population à haut risque du suicide à cause du stigma aussi attaché avec le VIH. Et j'ai le, le privilège d'annoncer aujourd'hui qu'on a aussi euh, pour... Uh, S'assurer que les photos sont vues par la communauté. On a participé, on, on a joint uh, Positive Living BC et uh, le, le magazine Positive Living, uh, qui est distribué à 6000 personnes à, à, uh, dans la province de la Colombie-Britannique, uh, on est la, la, la page couverture et même on a un, un, un spread out de, dans le magazine où il y a plusieurs photos du projet. Donc, uh, je vous invite à aller voir ça. Aussi, un autre exemple euh, que je voulais mentionner, c'est Live Through This, un site de témoignages de ceux qui ont déjà fait une tentative de suicide, qui est géré par l'activiste et artiste queer Desiree Stage, qui a elle-même fait une, euh, une tentative de suicide. Sur le site Web, on peut lire une centaine de témoignages qui nous aident à vraiment comprendre c'est quoi la réalité des personnes euh, suicidaires, en plus d'offrir de l'espoir à ceux qui euh, pensent au suicide. Il y a même un documentaire sur le travail de Desiree qui est disponible de S-Word. Les participants ont aussi parlé souvent de la psychothérapie et du counseling en santé mentale en tant que moyen de prévention de suicide chez les minorités sexuelles de genre. Plusieurs se sont appuyés de leur propre expérience d'accès au counseling pour y décrire ses avantages. Par contre, il était vraiment clair dans le récit des participants que le counseling et la psychothérapie sont vraiment difficiles d'accès. Plusieurs participants voyaient le manque de counseling comme une grave faille dans notre système de santé. Pour parler de cette faille-là, un des participants qui a perdu un ami au suicide a pris une, une photo d'un hôpital très célèbre à Vancouver. Le, je vous laisse deviner lequel. Euh, J'oublie qu'avec la, la, la traduction, la, la, la réaction de l'audience est un, un petit délai. Je vais en profiter pour prendre gorgé d'eau. Alors, euh, cette personne-là a perdu un ami. Un ami qui a essayé plusieurs fois d'avoir du soutien psychologique. Euh, il était incapable d'être euh, référé à un professionnel de la santé par son docteur. La seule chose qu'il avait, c'était une prescription pour des antidépressants qui ne marchaient même pas pour lui. Donc, euh, son ami a pris une photo de, de l'hôpital pour vraiment parler de la, 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 comment notre système de santé est incapable de produire, des, de donner de, de des soins de santé dans la santé mentale. Les participants ont décrit par, particulièrement que c'est le manque de services gratuits et surtout le, 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 des services à long terme. Plusieurs des personnes euh, qu'on a qu qu'on a travaillé avec pour le projet Still Here avait des, 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 euh, des histoires de traumatisme donc avait relié à l'abus et à la violence donc avoir deux ou trois séances de counseling c'est pas assez pour pouvoir passer pouvoir dealer avec ces euh, ces, euh, ces choses là dans notre sondage toujours là on a aussi étudié les barrières au traitement en santé mentale on a d'abord fait passer un, un, un questionnaire sur la dépression et le suicide, et voici les cinq raisons les plus fréquemment rapportées euh, par les minorités sexuelles et de genre qui sont euh, à risque du suicide ou qui sont dépressifs. Les deux premières raisons sont vraiment liées au coût. Les, les personnes peuvent simplement ne pas euh, se payer les frais d'une psychothérapie ou de services en santé mentale. Et le deuxième aussi, c'est relié au coût, parce que même si les gens ont des une couverture d'assurance, une assurance privée, souvent des, ils reçoivent 400 dollars, 500 dollars avant couvert. Je ne sais pas comment ça avant couvert, c'est souvent deux ou trois sessions avec un psychologue. Donc, c'est pas assez suffisant pour un, un suivi en santé mentale. Les trois autres raisons qui suivent sont plutôt reliées à la stigmatisation. Les personnes préfèrent régler leurs problèmes eux seuls souvent parce qu'ils sont gênés, embarrassés ou ils ont simplement honte de leurs problèmes. C'est important de remarquer qu'il que y a une grande différence euh, à travers euh, le genre. On voit que les hommes cisgenres sont, euh, y, y ont moins de barrières que euh, les femmes et les transgenres et personnes non-binaires. Aussi, deux raisons importantes, particulièrement pour les transgenres, qui les empêchait d'avoir recours aux services en santé mentale euh, était d'avoir eu des expériences euh, négatives dans le passé et euh, d'être incapable de trouver un professionnel de la communauté ou qui était sensible aux aux enjeux de la communauté c'était pas des ça, ça c'était deux raisons qui étaient particulièrement euh, 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 souvent rapporté par les personnes transgenres et non binaires et moins par euh, les hommes et les femmes ce genre de notre étude. Une solution peut-être à ce problème, c'est d'intégrer des services en santé mentale dans les cliniques pour ITSs. Euh, puisque ces cliniques là sont euh, généralement perçus comme étant, ayant moins de barrières. Ici, à Vancouver, par exemple, on n'a pas besoin d'avoir une carte d'assurance maladie et on, sont aussi reconnus par les membres des minorités sexuelles et de genre comme étant plus accueillantes et respectueuses de notre identité sexuelle et de genre. C'est une idée qui prend son chemin ici en Colombie-Britannique grâce au travail de Travis Salway. Je ne sais pas où vous êtes. En effet, Dr. Salway, avec une équipe, a dirigé un sondage dans les cliniques pour ITSS du Grand Vancouver, qui sont principalement fréquentées par les minorités sexuelles et de genre. 39 des clients des cliniques ITSS avaient un besoin en santé mentale, les plus courants étant l'anxiété et la dépression. Et de ceux 72 n'en avaient jamais parlé à un professionnel de la santé. En revanche, seulement 5 des clients des ITSS ont une ITSS. Donc, il y a plus de gens avec des problèmes en santé mentale que des gens qui ont des, qui ont des euh, ITSS dans les, dans les cliniques. De plus, les personnes interrogées ont identifié les, pr les professionnels des cliniques pour ITSS comme ceux avec lesquels ils étaient le plus confortables de parler de leur santé mentale. Vous pouvez voir le vrai graphique de l'autre côté. Problème ici. Euh, plus que leurs leur docteurs de famille, plus que leurs amis et leurs familles. Puis finalement, il y avait un grand intérêt pour les services euh, en santé mentale à travers les clients, vraiment illustrant le potentiel de ces cliniques pour la promotion plus holistique de, de la santé euh, et pour la prévention du suicide. Il faut aussi... Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi euh, améliorer les connaissances en santé mentale de notre communauté en ce qui concerne la dépression et le suicide. Dans notre sondage, on a mesuré la littératie en matière de dépression et de suicide en utilisant deux questionnaires qui ont été validés par d'autres chercheurs en ce qui a trait à la dépression et le suicide. Donc, euh, celui pour la dépression, euh, on voit ici, j'ai mis les, frais, les, les réponses qui sont les... les, les ce qu'on voit, c'est que... Les participants avaient de bonnes connaissances en ce qui concerne les symptômes de la, de, la, de la dépression, mais ils étaient généralement plus confus en ce qui a trait au traitement. Donc, les gens savent pas euh, des fois euh, que, les, euh, que les psychologues ne peuvent pas prescrire euh, d'antidépresseurs, par exemple. En ce qui est trait au suicide, la communauté était au courant que, que notre communauté est au risque du suicide, donc une bonne nouvelle. Par contre, plusieurs ne savaient pas qu'on peut intervenir rapidement quand quelqu'un veut faire une tentative de suicide, parce que les gens peuvent changer d'idée euh, rapidement. Aussi, dans une communauté où on sait qu'il y a un haut taux d'abus d'alcool, je trouve ça un peu troublant que 60 des participants de notre sondage avaient n'avait aucune idée qu'il y a un lien entre l'alcoolisme, la dépendance à l'alcool et le suicide. Relié aux connaissances, c'est aussi les attitudes. On a aussi euh, utilisé un autre questionnaire validé sur les attitudes euh, des, euh, des minorités sexuelles de genre à chercher de l'aide professionnelle. 40 disent que ce ne serait pas leur premier réflexe d'aller chercher de l'aide d'un professionnel s'il si, euh, y avait un trouble mental. 20% croient que, que même la psychothérapie ou chercher l'aide d'un professionnel est en fait une mauvaise façon de gérer euh, des problèmes émotionnels. Le tiers croit que la psychothérapie ne pourrait pas les aider. Et le tiers euh, pense que c'est en fait noble de régler ses problèmes par soi-même. Et que 40% croient que le coût et le temps n'en valent pas la peine. Donc, il y a encore un changement d'attitude qu'il faut faire au niveau des traitements de la santé mentale. Dans le domaine de la littératie en santé mentale ou de la promotion de la santé mentale, il y a vraiment un intérêt grandissant et le futur se voit comme étant les interventions en ligne, puisque celles-ci peuvent idéalement joindre un grand nombre de, de personnes à petits coups. Euh, et on peut les rejoindre chez eux ou sur, euh, non, sur leur téléphone. On sait combien de temps on passe en, en ligne maintenant. Une synthèse de la littérature a identifié que les interventions les plus efficaces sont celles qui ont des éléments interactifs et aussi qui sont adaptées aux besoins spécifiques d'une communauté. Donc, c'est important d'avoir des, des, des interventions qui sont dédiées à notre communauté. Je n'ai pas trouvé d'exemple ou je ne connais pas d'exemple d'une un, intervention en ligne qui a été développée pour notre communauté. Mais un exemple qui, que, qui pourrait, qui pourrait euh, nous inspirer, c'est le site Heads Up Guys qui a été développé ici en Colombie-Britannique par Dr. John Agratnachuk du département de psychiatrie à UBC. Et je pense que ce site-là aussi des statistiques qui feraient rêver beaucoup de. Personne qui travaillent dans le milieu de la promotion de la santé, il a été visité 700 000 fois. Il y a 23 000 fans sur les réseaux sociaux. Et un des éléments interactifs du site Web euh, est un test pour la dépression que les gens peuvent compléter. Il a été complété par 100 000 fois. Et euh, je pense qu'ils ont très bien ciblé leur, euh, leur clientèle, puisque 75 de ceux qui ont euh, rempli le questionnaire sur la dépression présentait des symptômes dépressifs. Le site web a été fait en, en, en pensant aux euh, au facteurs spécifiques des hommes sur la dépression. Donc un exemple qui pourrait nous inspirer peut-être. Pour prévenir le suicide, il faut aussi s'attaquer à, à, à un autre facteur euh, l'isolement. Aussi, les pères pourraient jouer un rôle vraiment important dans la prévention du suicide. Plusieurs participants de notre étude ont parlé de l'isolation comme un facteur mais aussi comme quoi créer des groupes de pairs c'était souvent une façon pour eux de trouver du réconfort et de promouvoir leur santé mentale. Donc des fois c'était accéder à des groupes formels, soit des groupes de thérapie ou soit des groupes sociaux ou même juste des groupes d'art. Et des fois, c'était juste euh, trouver le réconfort chez leurs amis, comme la personne qui a pris cette photo aussi, qui disait, qui disait que lui, pour lui, euh, se confier à des amis euh, était une plus grande source de réconfort. Dans notre sondage, on a aussi demandé aux participants s'ils comptaient parmi leurs proches des amis issus de la communauté qui souffraient de dépression ou qui avaient déjà fait une tentative de suicide. 90 connaissaient au moins une personne qui souffrait de dépression. 46 en connaissaient quatre. Euh, en ce qui a trait au suicide, 73 avaient un ami proche qui avait déjà fait une tentative de suicide. Je pense que ceci illustre vraiment le potentiel de la population euh, queer à intervenir en santé mentale. Heureusement, la bonne nouvelle, et je dois avouer que c'est des chiffres qui m'ont un peu surpris, les, les gens de notre communauté se sentent vraiment bien équipés pour euh, en situation de crise. 80 disent qu'ils seraient à l'aise si un ami se confiait qui pensait au suicide. Euh, 74 disent qu'ils sauraient quoi dire. Et 77 disent qu'ils sauraient où référer un ami qui pense au suicide. C'est sûr que demander ça dans un sondage est. Le real life situation est un peu, euh, peut être différent. Par contre, ce un, un autre euh, quelque chose qui nous a aussi surpris, c'est qu'il y a un grand intérêt à obtenir des, compé des compétences en prévention du suicide. 94 dit qu'ils aimeraient ça, apprendre, euh, avoir des, com euh, des compétences pour reconnaître quelqu'un qui pense au suicide. Et 95 aimeraient avoir des compétences pour être capable de soutenir quelqu'un qui pense au suicide. Et le format préféré était en ligne. Deux exemples. Un qui, que je trouve vraiment inspirant, c'est le Wingman. C'est une intervention de Beyond Blue. Beyond Blue, c'est l'organisme national australien qui fait la prévention du suicide, qui est vraiment regardé comme étant un des leaders internationaux en prévention du suicide. Wingman a un, euh, par, une part de son, est une intervention qui offre des outils en ligne aux hommes gays pour épauler leurs amis euh, qui souffrent de dépression. Donc, les gens, c'est très interactif, il y a des vidéos et euh, on peut apprendre quoi dire et où référer euh, nos amis. Un autre exemple qui est un peu plus local, c'est Village Safe Talk. Safe Talk est un programme qui est donné à travers le Canada, pas seulement à la communauté pas seulement à la communauté queer, afin d'obtenir des connaissances, euh, à, des compétences afin de reconnaître les symptômes du suicide et aussi de demander la question qui est très importante et souvent très difficile à demander. Est-ce que tu penses au suicide quand on, on connaît quelqu'un qui est suicidaire? Le programme n'a pas été développé euh, par la communauté ou pour notre communauté, mais est adapté localement par le Crisis Center pour euh, la communauté le prochain, le 21 novembre, si vous êtes à Vancouver et disponible. Est un, je l'ai pris, c'est un très bon programme. Finalement, on doit aussi favoriser la résilience et la, créat la créativité de notre communauté. Ce qui m'a personnellement ému et touché dans le projet Still Here, c'était de voir la force de nos participants. Malgré la violence, malgré... Les abus, malgré ne pas avoir été capable de trouver des soins de santé appropriés, la plupart euh, ont fait preuve de grande ténacité et de résilience. Plusieurs ont appris, malgré la stigmatisation, à célébrer leur, identi leur identité sexuelle et de genre, comme en fait preuve cette photo qui a été prise par euh, une jeune femme qui est venue première entrevue pour prendre sa caméra à avait les cheveux longs et après est venue la deuxième entrevue les cheveux courts et elle avait pris cette photo short hair don't care no longer trying to hide no longer trying to pass i think i'm finally figuring out my queer self de plus les, les participants du projet ont fait preuve de grande créativité comme qu'avait la difficulté à accéder à des services professionnels plusieurs ont développé leur propre pr euh, stratégie pour promouvoir leur bien-être mental comme dans cette photo, la personne euh, euh, a créé un groupe d'amis où, où ils pratiquent le self-care. Donc, euh, euh, et plusieurs autres ont décrit d'autres façons, comme faire du yoga ou de l'art, de l'écriture, comme des activités qui les aidaient à chasser leurs idées suicidaires. On avait quelqu un, quelques, euh, quelques participants autochtones et pour eux, retrouver leur culture était vraiment une façon importante de promouvoir leur mieux-être et de chasser les idées suicidaires. La photo ici a été prise par quelqu'un qui avait été, été dans un pensionnat autochtone et a redécouvert à l'âge adulte sa culture et euh, a pris la photo, cette photo. Et, uh, et ce qu'il dit, c'est So basically, finding my traditions ended those realms of committing suicide and all those thoughts that I'm not worthy of being here. It was like a rebirthing. » On a demandé aussi aux participants de notre sondage euh, ce qu'ils font pour promouvoir leur bien-être. Voici un, un, en anglais, on appelle ça un word cloud, un nuage de mots, j'imagine, en français. Euh, et il est en anglais malheureusement, mais je pense que vous allez vraiment comprendre le mot central, c'est les amis, là, vraiment passer du temps avec des amis ou chercher le support pour leurs amis, était vraiment la chose la plus, la plus commune, mais il y a beaucoup d'autres réponses, comme faire de l'exercice, passer du temps avec son, son chien, manger, faire du yoga, méditation, passer du temps euh, à l'extérieur, faire du bénévolat, dormir, manger. Alors, nos, nos résultats ici euh, sur la résilience suggèrent que ceux qui sont intéressés euh, à développer des interventions pourraient considérer pas seulement les risques, euh, les facteurs de risque, mais aussi les facteurs de protection et toutes les choses que la communauté fait euh, pour son bien-être. Par contre, pour favoriser la résilience, si on veut que cette résilience-là euh, ait un impact, faut aussi s'assurer que les politiques et les services s'aligne aussi aux efforts de la communauté. À titre d'intervention, il y a plusieurs exemples qui me viennent en tête, euh, particulièrement chez les jeunes. On a juste à penser au programme «Totally Out Right, This is Our Space» de Toronto ou euh, «Youth Cause Empowerment Program» euh, qui était jusqu'à récemment un programme pour les jeunes gays et bisexuels, mais qui a maintenant euh, euh, inclut tous les, euh, les individus, peu importe le, le, le genre, qui sont des euh, minorités sexuelles ou de genre. Et ces, et ces groupes permettent de développer idéalement des connaissances, de créer un groupe de pairs. Et souvent, les jeunes créent un sentiment euh, plus positif par rapport à leur identité sexuelle et de genre et une appartenance à la communauté. En conclusion, aujourd'hui, j'ai décrit six pistes d'intervention euh, pour s'attaquer à l'épidémie du suicide et de la répression chez les minorités sexuelles et de genre. Ce sont des idées qui sont venues de, des membres de la communauté euh, par le biais de notre euh, euh, projet PhotoVoix et aussi de notre sondage. Par contre, je suis sûr que ce n'est pas ce n'est pas une liste complète et je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont d'autres idées basées sur vos expériences personnelles et professionnelles ainsi que de vos projets de recherche. Ce qui est clair pour moi, c'est qu'on a besoin de plusieurs pistes d'intervention, donc on n'a pas une one size fit all answer et qu'on doit intervenir à plusieurs niveaux. Il faut changer la société, il faut changer notre système de santé, il faut intégrer la santé mentale dans nos santé communautaires. Il faut changer la communauté. Il faut avoir des interventions individuelles. Aussi, aujourd'hui, j'ai essayé de donner des exemples d'interventions que je crois ont déjà un effet bénéfique ou qui pourraient être adaptées. Ce n'était pas une liste aussi euh, qui comprenait toutes les interventions. Donc, euh, je voulais juste vous donner une petite idée de, de ce qu'on peut faire. Mais aussi, euh, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas besoin de tout réinventer. On a déjà des interventions qui ont sûrement un impact qui pourraient euh, être adaptées pour avoir un impact plus fort sur la prévention du suicide chez notre communauté. Donc, on n'a pas de tout à réinventer. Ce qui est important à retenir aussi, c'est que la prévention du suicide, c'est l'affaire de tous. Donc, ce n'est pas seulement la, euh, la communauté, c'est aussi les politiciens, les directeurs de nos services en santé et sociaux, nos alliés, les chercheurs, les professionnels de la santé. Tous doivent s'impliquer. De retour à Lady Gaga, The Star is Born et Tedros. Dans leur éditorial, dans le Guardian, il, à la, en conclusion, ils parlent des progrès qu'ils ont vus dans le contexte du sida et du VIH. Et ils disent, On a tous les deux constaté que le leadership politique, le financement, l'innovation et les actes individuels de bravoure et de compassion peuvent changer le monde. C'est le temps de faire pareil pour la santé mentale. Au cours des dix dernières années, on a fait d'immenses progrès en ce qui a trait à la santé sexuelle des hommes gays et bisexuels. J'arrive pas à croire que ça fait déjà dix ans que HIM existe. On a maintenant des cliniques en, pour les hommes gays, et bisexuels en banlieue, ce qui semblait une idée tellement folle il me semble il y a dix ans. On est et, et maintenant un de nos plus grands succès des dernières années est d'avoir l'accès à la prep. Je pense que c'est que, que, que ceci démontre qu'on est vraiment capable de changement quand qu on travaille ensemble et qu'on se rallie à la cause. Maintenant, je me demande est-ce qu'on peut avoir le même genre de compassion et d'énergie pour ceux qui pensent au suicide? Est-ce qu'on est prêt à se retrousser les manches pour que les membres de notre communauté ont d'autres options que le suicide? Est-ce qu'on peut vraiment mobiliser nos politiciens et travailler là-dessus? Et cette fois-ci, dans nos requêtes pour, les, pour des services en santé mentale et de prévention du suicide, est-ce qu'on peut demander des services pas seulement pour les hommes gays et bisexuels, mais aussi pour nos sœurs et amies lesbiennes, bisexuelles, transgenres, pansexuelles, queer, intersexes, qui sont encore souvent plus affectées que nous par le suicide et la dépression? Quand je pense à tout le support que les hommes gays et bisexuels ont reçu pendant la crise du sida, je pense qu'on doit ça au reste de notre communauté dans mes entrevues dans mes entrevues pendant euh, mon étude photo plusieurs participa participants m'ont dit qu'ils avaient eu l'impression lors de leur épisode suicidaire que tout le monde était indifférent à ce qu'ils soit mort ou vivant il y avait l'impression que tout le monde s'en foutait du suicide et de la prévention, que les politiciens, les professionnels de la santé, la communauté s'en foutaient carrément. Est-ce qu'on peut leur prouver le contraire? Merci à tous euh, mes collaborateurs et aussi à euh, tous ceux qui ont financé mon travail. Comme vous voyez, il y a plusieurs personnes qui m'ont donné des sous. Et euh, merci. Aujourd'hui, j'ai présenté plusieurs choses qui sont euh, qui sont euh, qui sont en voie d'être publiées. Donc, si vous voulez euh, rester en contact, c'est c'est mon email. Merci. Merci Olivier. Et malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais peut-être une question. Uh, spent a moment on isolation um, i was one of the uh, researchers on the food security survey which was more about lots of things than food and there was a whole block of questions about do you have friends do you have somebody to talk with your problems about etc etc the last question was do you have anyone to give you a hug and I was volunteering in an agency where I knew, despite how many hours I put in, um, there was always going to be a volunteer appreciation award for somebody else because they spent five days a week at the agency volunteering. And while the agency staff thought he was connected because he was there every day. I was the only person who knew in that whole long list of affinity questions that his answers tended towards the no and he certainly did not have someone to give him a hug each day and sadly he committed suicide and isolation is something that we talk about a lot you know I'm aging so I'm in that part of aging isolation we all have our own silos of isolation but uh, I thank you for just mentioning that as one of the underlying problems and potentially one of the uh, underlying solutions to help people. Thank you. I, I didn't want to talk. Oh. Go ahead. Okay, j'ai le temps là. C'est beau. Okay. It was really encouraging to see that there were so many people who wanted. Offrir plus d'aide à des amis euh, qui avaient des tentatives ou des pensées suicidaires. Euh, moi, dans mon expérience personnelle, j'ai suivi le, la formation de Safe Talk. Euh, j'ai aussi suivi, pas longtemps avant ça, une formation en premier soin sentimental. Mon expérience, puis ça se peut que dans mes observations, ce n'est pas vrai, mais euh, mon expérience, c'était que j'étais le seul homme, hors de comme une vingtaine de, de femmes, euh, dans ces deux classes-là. Donc, je me demande, comme dans tes recherches, est-ce que tu as vu qu'il y a peut-être une différence entre le montant d'hommes qui veulent offrir du soutien ou peut-être veulent chercher plus de ressources pour qu'ils soient mieux capables d'offrir du soutien? Puis, si oui, est comment est-ce qu'on peut mieux convaincre les hommes d'offrir un soutien puis d'aller chercher ces ressources-là? Est-ce qu'il y a des barrières? Bonne question. Euh, oui, les, euh, la, la, la partie où j'ai montré, euh, je n'ai pas fait d'autres analyses à travers le genre, mais tu viens de me donner une très bonne idée. Mais par contre, qu ce que je n'ai pas décrit dans mon, dans, dans mon projet, c'est qu'on a, on a regardé euh, des trucs qu'on a regardé c'est qu'à travers la communauté des minorités sexuelles de genre, les personnes qui ont le, le plus d'attitudes stigmatisantes envers la santé mentale, c'est les hommes, c'est nous. C'est les hommes. Euh, et est, euh, et on, on est aussi les ceux qui ont le moins de connaissances sur la, sur la dépression, mm -hmm. comparativement aux femmes et aux autres personnes de notre communauté. Mm -hmm. Donc, peut-être qu'il y a un lien entre le, le fait qu'on qu en connaît moins, qu'on a plus d'attitudes euh, euh, stigmatisantes, et le fait qu'on veut moins s'impliquer euh, dans la prévention du suicide. C'est aussi, il y a peut-être des, euh, des, 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 des normes au, au niveau du genre ou les... Oui, merci. Ben, je vais faire un appel juste à la salle, de, surtout pour les hommes, comme suivez ces cours-là, cherchez plus d'informations sur comment vous pouvez soutenir les personnes dans vos vies, puis peut-être amener euh, un ami homme ou, ou deux avec vous dans ces, dans ces cours-là. thank uh, olivier. it's not easy to uh, talk about suicide. it's not easy to get on a stage and it's certainly not uh, easy to do it in a language that you're not used to working in. so thank you very much, dr. for that. <laughs>